Bonjour tout le monde et bienvenue. Nous sommes le 29 novembre. Bon, ben la saison des animaux 2023 prend fin. Ben là, on reprend avec la saison Peach comme Buzzer. Bon, cette fois-ci, quelle équipe que je vais choisir? Eh bien, j'aimerais ça gagner un nouveau badge. Donc, je vais prendre l'équipe Peach vu que j'ai déjà le badge en argent puis le badge en or de Buzzer. Ça me fera un autre badge garanti dans ma collection. Et en parlant de ça, hier, j'ai obtenu justement Peach Rose Doré comme dernier pilote dans un tuyau d'or de Défi Premium. Ah oui, savez-vous quoi? J'ai fait un drôle de rêve, c'est bizarre, savez-vous que c'est quoi? Imaginez-vous donc que je rêvais que Charlie Bond était dans Mario Kart Tour. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, je sais pas pourquoi, mais j'ai rêvé à ça. Sur l'île au fromage, je sais pas. J'ai rêvé que Charlie Bond était en train de manger un biscuit devant moi au dernier tour. Là. Je sais pas pourquoi. Puis après ça, ben il m'est apparu, je sais pas. Je sais plus le nom du gars qui s'amuse tout le temps à se promener avec un drap à terre. Puis Snoopy. Je sais pas, ça s'est fucké. J'ai rêvé à ça. T'sais, mais on sait tout, genre que Mario Kart Tour, ben là, c'est fini pour le contenu. Puis là, ils font retourner les mêmes saisons de l'an dernier. Puis peut-être que ça va être à l'infini, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais pour la prochaine année, là. J'aimerais ça qu'ils nous remettent des anciennes saisons que j'aurais pas joué, que vous avez joué au début. Tu sais, il me semble, même si les Mi n'étaient pas là avant avril 2022, il y a bien une manière de pouvoir faire quelque chose avec. Essayer d'écrire de nouvelles saisons avec les séries qu'on a déjà disponibles, avec les pilotes aussi. Puis pourquoi pas inventer, genre, exemple, pas un rallye, mais veut dire un rallye en équipe, ok? Genre Yoshi Tomberda ou, je sais pas, Flora Piranha Buzzer, je sais pas, moi là, un truc de même, tu sais, genre, vraiment quelque chose de nouveau, là, tu sais, pourquoi revenir avec Mario contre Luigi et Peach comme Buzzer à chaque année? Tu sais, il devrait avoir au moins 4 rallyes en équipe, là, tu sais, genre à chaque trimestre, pourquoi? En avoir un ou six mois, c'est un peu con, là. Oui, si je prenais l'équipe Buzzer, j'obtiendrais 1500 pièces, mais c'est pas ça l'important pour moi. J'aimerais ça juste obtenir un nouveau badge avec une équipe différente. Et puis j'espère que j'aurai... oui, là, elle a atteint le niveau 6, le nouveau circuit favori de Double K, circuit Mario aussi, je crois que c'est l'un des circuits de la saison. La nouvelle saison qui vient de sortir, là, une ancienne saison. Oui, je prends l'équipe de Legacy cette saison-ci. On va essayer de jouer le plus possible. Avec des pilotes de l'équipe Peach. Malgré que genre c'est plus de Buzzer que j'ai le plus. À cause de Tony Mihaw qui est de l'autre bord. Puis de Tony Mi-Block. Bon. Est-ce que pour une deuxième fois j'ai dominé durant toute la deuxième semaine d'une saison? Et la réponse est oui, ça, d'après moi, il n'y a eu aucun changement. La personne est restée à 150, est arrivée jusqu'à 155, 3,5. Et de 2 de 3, bientôt niveau 4 pour Mascasse Bleu Ciel. Et voilà mon beau tuyau d'or. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Et un autre pilote une autre fois. Et c'est qui? Ah ouais, go, une machine de la petite peut-être? Ah ben non, c'est juste une noire. C'est pas une chose que je disais que ça allait être lui. Eh ben, un beau petit Yoshi noir, youhou! Il en reste 5 avec son niveau 8, youpi! Ok,
Je vais baisser le son parce qu'habituellement je l'augmente et que je veux revoir ma vidéo là, en attendant qu'il charge sur YouTube. Ouais, puis j'espère que d'avoir de meilleures options que j'avais l'an dernier, parce que l'an dernier, lors de la deuxième semaine, ça a été vraiment compliqué parce que j'avais des options en moyenne niveau 3 ou 4. À part ma Cache Ninja au niveau 5, mais j'avais pas d'assez bonnes options pour finir dans le top 5. Puis même si j'utilisais mes options, d'après moi, le mieux que je pouvais faire, c'était 6e place. Puis c'est ça, puis c'était à ce moment-là que genre que ça a été, disons-le, l'une de mes, ben, on pourrait dire l'une de mes pires performances, parce que genre, dans les classements hebdomadaires, j'ai fini 14e. Ça, c'est mon classement le plus bas. Donc, comme que vous voyez ici, oh, et 140 310 pour SSI 60, lui, il restait en 4e place. Christopher est allé jusqu'à 143 et il restait là. OK. Voici mon classement. 17 sur 18 ont fait au-dessus de 100 000. Ça, c'est nice. Bon, ça donne quoi, mes amis? Je crois que je suis deuxième. Ouais, c'est ça. Ouais, puis t'as Lucas Midi qui s'est transformé en Midi Lucas. Puis Quentin en troisième place. On fait dans 150 000. Dans le fond, il y a 4 joueurs dans mes amis qui ont fait au-delà de 150 000. C'est super nice. Dont 11 au-delà de 120 000, c'est super bon, ça. Il y en a quelques nouveaux comme chez G-Member. Puis il y en avait un autre aussi, c'était Mel aussi. Bon, je vais faire comme la semaine passée, ben en fait, la saison dernière. Voici mon code ami pour ceux qui veulent m'ajouter. Je vous donnerai des pièces à l'occasion. Parce que ça arrive des fois, durant une journée, que j'oublie ou soit que j'y pense pas. Mais habituellement, je donne environ 4 fois 5 pièces par semaine. Au moins 4 fois. En tout cas, moi j'espère que le Wiggler en or va se trouver dans le classement hebdomadaire, ça serait bien. Moi ça m'étonnerait même pas qu'ils mettent Mario or puis Wiggler en or pour l'une des variantes de circuit du Jardin Peach. Oh! Et voici ma 10e victoire dans la Ligue 99, c'est super. Il m'en reste encore 20 pour compléter la carte des défis extrêmes. Je vais vous montrer ça, Seigneur. Ouais, ok. Je vais vérifier quelque chose. Là, c'est une mini tortue python que j'ai déjà. Ici. Ok. Bon, on va aller voir dans ma boutique qu'est-ce que j'ai de neuf. Comme vous voyez, c'est toujours la même chose. Oui, la flèche rose est ici, mais je l'ai déjà acheté 2 semaines avant. Je l'avais eu 2 semaines avant. Et la grenade magique. C'était quoi qu'il y a qui avait comme spécialité, lui? Ah, Champy Turbo. Ok, c'est bon. C'est très bon, ça. Ah, regardez ça! C'est Mario... C'est Mario... tenue noire, c'est ça? Costume noir, ok. Ah, il se trouve là, juste pour le plaisir, qu'est-ce qu'il a obtenu comme nouveau circuit? La dernière fois, il en a obtenu 3 nouveaux. Il y a tout des jardins Peach. Je vois Monde Glacier Harmonie. Non, pas ça. Ok, il y a Circuit Luigi, mais je ne sais pas pourquoi il est là. C'est juste ça que je vois. À ma connaissance, je vois juste, comme que je vous dis, Jardin Peach ici. Circuit Luigi, peut-être des nouveaux, là, mais je pense pas que Circuit Luigi soit là-dedans. Je pense pas, non. Moi, je vois Jardin Peach ici. Ah, regardez ça, le Turbo Connect monte. Ouh.
Mais c'est pas l'un des codes que je veux pour le moment. Le prochain que je voudrais acheter, c'est la flèche festive. Il y a même l'aile mosaïque ici. Étoile mosaïque. Topito. Et là, ce qui est en rabais, c'est ça ici. Mais je pourrais aller chercher Tenumi Château et Tenumi Plante Piranha. Ben oui, c'est pas pire ça, je pourrais en avoir deux de plus. C'est super nice. Par contre, celui-ci va réapparaître quand il y aura la saison des Yoshi la saison prochaine. Fait que pas pressé de l'obtenir, mais n'empêche que ça va me faire un de plus dans ma collection et il faudrait que tout ce que j'achète pour que je sois équilibré avec tous les autres qui ont déjà tout acheté les mis. Puis que j'ai essayé d'en équiper quelques-uns. Ouais, un beau tuyau d'or. Excusez-moi pour cette saison-ci avec des tickets de capacité de. Ah, ça, je ne savais pas. De rare, ça, c'est super nice. Deux de chaque. Hein, c'est ça, deux de chaque, oui. Puis un de chaque pour ultra rare. De capacité, puis on a un ticket de chaque type, un ticket de chaque type pour les pilotes, un ticket de limite de points. Ouais, Bowser Junior comme ballon. Oh! Ouais, regardez-moi ça, c'est pas pire comme téléchargement aujourd'hui. Ouais, j'ai genre un L de rare. C'est drôle, hein? Pompé pantoute. Ticket de limite de points d'un côté avec le Birdo bleu ciel. Puis après ça, on a dans le centre le carrosse royal. Et un beau petit ticket ultra rare ici. Avec un petit cut ici que je vais améliorer. Ouais, le Bill Ball, il m'a rendu au niveau 8. C'est le seul que j'ai pu. Que j'ai pu améliorer au maximum. Là, j'en ai plusieurs à 20, mais ça va prendre peut-être encore jusqu'à la fin de la saison ou au début de la prochaine saison pour pouvoir en mettre au moins deux au niveau 8 pour les cas standards. Un ticket de carte, tiens, je vais le prendre. Oh mon dieu, regardez-moi ça, qu'est-ce que j'ai dans ma boutique de ligue cette semaine, regardez ça. Deux fois des tickets de capacité d'aile ultra rare et deux de cartes. Et j'ai un ticket de limite de points de cartes ultra rare. Wow. C'est fou, hein, j'ai deux fois des pilotes, deux fois des ailes. Et bien, c'est la première fois que je vois ça, moi. Moi, c'est la première fois que j'ai ça. Imaginez s'il y aurait eu aussi deux fois des cartes, ça aurait été popé pantoute. Wow, c'est beau. Ça va je vais être triche tantôt. Et ça, t'es-tu quelque chose de spécial qui se passe ici? Non. Des étiquettes d'objets. Étiquettes presto. Bon, puis il y a des pilotes. Bon. OK. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait Koopa Police aussi là-dessus. Juste revérifier, voir c'est quoi le circuit. Le circuit Mario il est là. Bon, je vais y aller avec mon défi journalier. Mais pas le choix, ça vient de l'équipe de Luigi, ça.
Vous avez toujours pas joué. Ok, quand t'as enfin. En tout cas, j'espère d'avoir de meilleures options pour cette saison-ci, pour le classement hebdomadaire, parce que l'an dernier, c'est ça, lors du deuxième classement, ça a été compliqué. Bon, allons voir ce qui se cache là-dedans. Bon, ok, c'est pas des scores très élevés, 81 000 pour commencer. Bon, nous avons chaud. Étoile, point d'exclamation à l'envers. Un autre joueur qui se nomme comme ceci avec H à la fin. Curtis Jack B. Ça, Edouard O, ça c'est un bot. Oui. Ça aussi, non. C'est un joueur, ok. En fait, le problème que j'avais l'an dernier, c'est que je n'avais pas Peach... rose dorée au niveau 8. Je pense qu'elle était au niveau 3 à ce moment-là. Je sais pas. Case Pirate. Jian GGZ. Mike MC. Brick. Oh oui, Pakata qui est là. Ah, coudon. Hein, ça me surprend qu'il soit là. À moins que ce soit pas le vrai pack attaque, que je ne sais pas. On n'a aucune idée. Vous connaissez pas vraiment ce nom-là. Et aussi, dans le passé, c'était un joueur qui était un recordman, okay, l'un des meilleurs du site CyberScore en anglais, dans le fond. Oui. C'est le site en anglophone. Il y a Chani 88 Spécial K. Pourquoi Spécial K? Ben pourquoi Spécial K? Regardez ça! Un joueur qui se nomme Spécial K. La marque de céréales de Kellogg, voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a la ligue la plus élevée de 99 pour lui. Il a l'air d'avoir de super de bonnes options comme qu'on peut voir ici. Il y a Pilote Roi, quelque chose dans ce genre-là, Grassman Mark, qui est probablement un bot. Oui, c'est ça ce que je me suis dit. Ça, c'est un bot. Mais quand même, j'ai quand même des bons adversaires ici. J'ai un joueur qui se nomme Pack Attack. Je ne sais pas si c'est le vrai Pack Attack ou si c'est quelqu'un d'autre qui s'est nommé comme ça. Je ne le sais pas. Mais en tout cas, ce nom-là me fait penser à ce joueur-là. À ce joueur américain, soit dit en passant. Je pense que même qu'il est déjà passé à la télé à un moment donné, je me sens. Je crois, là, quelque chose dans ce genre-là, je pense. Mais en tout cas, c'est un nom connu. Un spécial cas. Pourquoi spécial cas? Franchement, c'est drôle de Seigneur. Ah ouais, go, il y a un autre qui se nomme Vogloops. Puis un autre qui se nomme, je sais pas, Complex. Ça serait-tu drôle? Complex. Excusez-moi. Bon. Je pense que j'ai besoin de boire un petit peu. Donc, Grassman, ligue la plus élevée est de 99. Ok, j'en ai deux à 99 déjà. J'en ai un à 84 qui est Pack Attack. Ok, ici, 81. 75. Puis, j'avais dit que c'est 99, hein? Oui. Ah, oui, c'est ça. 84 Pack Attack. Brick, c'est quoi? 91. Oh, ben, il y a quand même des adversaires redoutables là-dedans, là. Ok. 77. Est-ce que j'ai un droit de téléchargement cette semaine? Donc, le nom Pack Attack qui est là. Le 79. 80.
80. 79. 84 ici. Soixante-dix-sept. Curtis Zav. 75. 75. Ah oui, je me rappelais même pas qu'il y avait Virgin Amsterdam. Ah, puis c'est quoi, je pourrais utiliser le métépite de noir en plus. Bon, ok, 77. Ah ouais, je vais quand même avoir de bonnes options pour la première semaine. Ça, je pense pas qu'il y ait des inquiétudes là-dessus. 77, dans le fond, c'est tous des joueurs qui sont en bas de 80. Qui sont là en ce moment. J'en ai deux à 99 qui n'ont pas encore joué. Puis un de 91, l'autre de 84. Et un de 76. Bon, c'est ça. Ok. Bon, allons voir mes options pour cette saison-ci. Oui, je sais. Bon, dans l'équipe Peach, ben. La meilleure, c'est Peach, simplement pour moi en ce moment, niveau 6. Et dans l'équipe Buzzer, c'est Volendam, tout simplement. Mais pour cette vidéo aussi, ben ça, je vais utiliser un pilote de l'équipe Peach vu que j'ai pris l'équipe Peach pour cette saison-ci. Avec le cas d'interprète de noir. Qu'est-ce qu'a obtenu ce carte-là? Il y a Circuit Mario A, Autodrome Royal et le Virgin Amsterdam 3. Qu'il y avait au départ. Ok. Donc il y a trois circuits. Il y a obtenu deux nouveaux circuits dans le fond. C'est super. L'aile. Planeur doré ou le nuage. Ben, elle nuage doré. Ça, c'est pas nouveau vu que Virgin Amsterdam 3 était là à la fin des derniers circuits de Mario Kart Tour. Donc, quand même, un téléchargement quand même assez. Pas si mal que ça. Bon, Château de Bozo ici, ça c'est Yoshi. F d'or qui est là. Je crois qu'il est doublé, hein. Ça se peut-tu? Sauf que j'ai Flora Piranha or là. Tenue mi or. Ah. Tiens. Koopa Mobile obtenu. Tenue mi Koopa Mobile obtenu ce circuit. Il a tenu aussi. Koopa Police SIA Château de Bowser. Surtout de Buzzer ici. Donc il y a tenu trois nouveaux circuits et ouais, c'est beaucoup. Ok. Ben ce sera Luigi Chevalier. Et oui, ce carton qui est doublé. Avant, je vais voir s'il n'y a pas de nouveaux codes qui sont apparus ici. Non. Ok. Donc, ça sera ça. Quand même un bon téléchargement aussi là, très bon, très bon. Deux de niveau 8, un de niveau 6. Donc on a genre triple, quadruple, double. Parfait, triple, quadruple, double. Oui, c'est ça. Jardin Peach maintenant, est-ce qu'on a eu des nouveautés ici?
Ah, ben regardez ça, il y a Mario. Mario Walker qui est arrivé, je vous l'avais dit, qui a obtenu une de ces variantes-là. Je vous l'avais dit. Oh, ok, niveau. Jusqu'au niveau 3, ok. Ouais, comme je vous l'avais dit, il fera Piranha au niveau 8 dans l'équipe Louis. Excusez-moi, Bowser. Bah. Ouais, Bowser. Donc, Mario Hawk qui a obtenu ça. Ok. Comme je l'avais prédit, il a obtenu une des variantes. Il a obtenu aussi Koopa Police A puis Château de Bowser 3A. Et circuit de Mario ST. Donc, il a obtenu 4 nouveaux circuits. Bon. Là, c'est un petit peu varié par rapport à la dernière fois. La dernière fois, il a juste obtenu des circuits de SI. Il a obtenu un circuit de SI, deux circuits de A et le circuit original Jardin de Peach. Ok, c'est super bon ça. Bon, pour le plaisir, je vais prendre celui-là. Pour juste la vidéo. Non, pas de nouveau cartes. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça parce que, écoutez, ça serait fun ça aussi pour apparaître dans la boutique. Parce que ça serait plate genre, de ne pas pouvoir collectionner toutes les cartes si on peut pas. Tu sais, j'aimerais vraiment ça, que ce carte-là puisse apparaître dans la sélection du jour. Dans la boutique, j'aimerais ça. Parce que, écoutez, si ça apparaît jamais, tu sais, comment voulez-vous qu'on collectionne tous les cartes? Il y a même le code standard vert aussi. De celui-là que je peux même pas acquérir. Ça serait un petit peu pas si on peut pas tout collectionner. Surtout pour les nouveaux arrivants, ils pourront pas collectionner le code standard 8 rouge et vert parce qu'il apparaît jamais. Moi, il m'apparaît jamais. Ah, il a tenu ça aussi, lui. Le chat-chum, il a tenu ça comme nouveau circuit. Là, on sait que mes montagnes des cas déjà, il y a circuit de Luigi. Est-ce qu'il l'avait déjà? Jardin Peach, Jardin A qui a obtenu. Il a obtenu deux nouveaux circuits. Ok. Donc, il y a deux variantes de Jardin Peach. Ok. Maintenant pour l'aile. Oui, oui. Ballon plante piranha. La grenade est ici. Ouais, le champignon 1A 8 bits. Donc, super. Malgré un pire de niveau 2, j'ai quand même deux options de niveau 8. Fait que ça va bien aller. Ça va bien aller. Bon, maintenant pour la deuxième semaine de la saison Peach comme Bowser de 2023. Allons voir s'il y a eu des ajouts. Ça trouve de Bowser 3 ici. Ah ben tiens, voilà. Et ben oui, là, en or est ici. N'empêche que ils l'ont mis avec Bowser Père Noël. Ah ben. Donkey Kong aussi. Ok, il y a Donkey Kong Gladiator aussi là. Et c'est à peu près tout comme nouveauté. Pour cette base de 3 ici. Ok. Bon, mais c'est super nice, hein, au moins un niveau 7 pour l'équipe P qui est apparu là. Je savais même pas que Wiggler était avec l'équipe P, mais c'est nice ça. C'est super nice ça. Donc, on sait qu'il y avait déjà Montagne des cas. Il a obtenu Jardin Peach ici. Donc, il n'y a pas de SIA pour lui. Ok. Il sort de Bowser 3 ici. Puis, je vois pas d'autres circuits qu'il a obtenu. Il y a Château de Bowser. Donc, il y en a 1, 2, 3. Plus un qu'il y avait lors de la saison précédente. Maintenant, on va aller checker pour Donkey Kong Gladiator ce qu'il a obtenu comme nouveau circuit.
Château de Bowser 3 ici. Est-ce que c'est juste ça qu'il a obtenu ou il a obtenu autre chose? Parce que je vois pas autre chose. À part que Montagne des cas ici, Montagne des cas A. Je vois pas autre chose qu'il a obtenu. Il a juste obtenu ce circuit-là. Bon, ok. C'est ce que je vois. C'est la seule chose que je vois en ce moment. Bon, Wiggler. En or. Volume médiéval. Ça qu'on obtient en cadeau en récompense cette saison-ci. Ok. Automobile or. La flèche. La flèche festive que je prévois acheter la saison prochaine. Ok. Elle roche volcanique. La Clean Flush Royale est là. Château de Bowser, Château de Bowser 3 SI et Jardin Peach Hawk qui a obtenu comme nouveau circuit. Donc il a obtenu 3 nouveaux circuits. Bon, excellent téléchargement ici. Un quadruplé, deux de triplé, c'est très bon. C'est très bon de niveau 7. Au moins minimum niveau 7 pour chacun. Bon, maintenant pour Jardin Peach SIA. Bon, ben, j'ai Bowser ça. Mais de côté de l'équipe Bowser, puis dans l'équipe Peach, j'ai Yoshi Kangourou. Ouais, Flora Piranha ici. Tenue Mi. Peach Daisy. Ah, elle l'avait déjà. Ok, c'est bon. Tenue Mi Wendy. Peut-être la seule nouveauté qu'il y a dans ce circuit-là. Jardin Peach SIA. Ok. Ok. Cette tenue-là a obtenu Jardin Peach SIA et Jardin Peach SI et Château de Bowser 3. Donc, 3 nouveaux circuits pour ce tenue-mi. Donc, ça sera Yoshi Kangourou. Pour l'équipe Peach. Nous avons le véhicule couronne. Donc, Château de Bowser 3, Jardin PCCA, Autodrome Royal, Circuit de Mario. Donc, il a tenu 4 nouveaux circuits, ce kart-là. Il a tenu au moins un ou deux de plus par rapport à Wiggler en or, Mario en or, puis Donkey Kong Gladiator. Donc, 4 nouveaux circuits pour ça. Et pour celui-ci, le chariot Western. Jardin Peach SIA, ça en a fait un, Autodrome Royal 2, et c'est tout. Piggy Butte Meumeu. Et ça ici. Le nuage de crépuscule. Je l'ai tué à 4 Timmy celui-là. Non, c'est 4. Ok. Donc, très bon téléchargement encore ici. Seulement qu'une aile de niveau 4, ça va pas trop déranger. Violent sur la dame 3 SIA. Bon, d'accord. Oh, ok, tour de touriste. Oh, j'ai beaucoup d'options pour l'équipe Pete ici. Puis l'équipe Bowser, level 1.
Ah, j'ai pas vu tenue. Excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer tenue Wiggler. Wiggler et tenue Wiggler, ils sont tous les deux à la même place. Hein? Tous les deux sont mis tout ensemble. Bien souvent. Aïe, aïe, aïe. C'est fou. Jardin Peach A, Royaume Royal A. Il y a Virgin Sodom 3 SIA. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, puis il y a aussi Montagne des Coms, mais ça, il l'a obtenu la saison passée. Bon. Tenue Mi Wiggler maintenant. Circuit de Mario SC. Château de Bowser SC. Jardin de Peach SC. Ça fait 3 nouveaux circuits. C'est beaucoup pour un tenue Mi. Ça fait beaucoup, beaucoup de circuits. Donc, ok, ça fait tout trouver ce point. Je pense qu'il avait déjà tourné de Turbo Dauphin. Est-ce qu'il a obtenu autre chose à part ça? Il avait été probablement déjà, mais attends, je vois, c'est pas obtenu une variante de Jardin Peach. Je vois le variant de Sodom 3 ici. Je vois pas autre chose qu'il aurait obtenu de nouveau. Non, il n'a pas obtenu une variante de Jardin Peach. Non, c'est correct. Le Turbo Cornet, je sais qu'il l'avait déjà. Il a obtenu le circuit de Mario SC, Jardin Peach SC. Il a obtenu deux nouveaux circuits. Ok. Rapace rapide. Tenue de. Ben en fait, patte de chat beige. Celle-là. Avait probablement déjà ce nouveau circuit. Il avait obtenu Montagne des Coms la saison dernière. Et là, il y a Autonome Royal SC que je vois ici. C'est tout. J'ai vu un Totem 3 ici aussi qu'il avait probablement déjà. Donc, très bon ici. Très bon. Bon, ok. Pour ne pas m'inquiéter là-dessus, je vais pouvoir faire de très bons scores ici. Ok. Dans le fond, là, je suis largement correct. Pour cette saison-ci. C'est pas lui que je voulais atteindre, mais bon, c'est ça.
Bon, je devrais avoir la première place, je pense. Dommage que j'ai pas eu une autre frénésie de pièces, ça aurait été extraordinaire. Dans le château de Bowser ici. Juste pour compléter trois frénésies. Lors d'une même course. Oh, 25 rubis pour commencer. Wow. Nice. Avec 20 tirs de tuyaux. Mais là, il n'y a pas de tuyaux. Il n'y a pas rien. En ultra rare. Oh, 1000 pièces pour commencer. C'est super nice, ça. Je l'ai amélioré, genre, juste la saison dernière. Et puis, je le reçois. Oh, mon Dieu. Ah, j'en reviens pas, il faut pas voir qui est apparu, j'ai juste là devant ma face. Bon, ben, le 1500 points de bonus que j'ai skippé, ben, je l'ai obtenu avec un style de buzzer. Eh ben, 400. Un 250. Un autre 250. Un 400. Eh ben, tout donc, j'obtiens beaucoup de bonus en pièces. Wendy, nice. Ah, mais écoute, on a gagné, j'avais plein de 400, youhou! J'obtiens plein de bonus, sauf un qui est un standard. Un code standard, ok. J'ai donné pratiquement des pièces pratiquement tout le long. 9 fois sur 10. 9 fois sur 10, j'ai obtenu des pièces. Ah, mais coupe rouge qui apparaît. Coupe rouge couche, j'étais là. Ah, ouais, pour vrai. En plus, c'est le pilote rare que j'obtiens le plus souvent. J'étais à 10 de 16 son dernière, puis j'ai juste pris 6 tickets pour l'amener au niveau 8. Ben non, il n'y a pas d'ultra rare là. À moins que tout soit un fake, mais ça m'étonnerait. Encore les mille. Ah ouais, gros, plein de bonus de pièces, j'adore ça. Un deuxième de 1500. Oh yeah. Ah, c'est un petit mobile verte. Ok. Ok, bientôt niveau 7 pour lui. Ok, paraît que c'est bleu. Encore les mis, ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois, dont 2 fois dans. Hey, il y a 4 fois, hey, ça y est, un back-to-back de l'ami. Trop drôle. Oh, le coup de tonneau cette fois-ci, 6 de 8 vers le niveau 7. Ok, 250 pour coupon mobile. Je l'ai déjà au niveau 8. 400, nice, seigneur, j'obtiens plein de pièces, j'aime ça. Un autre 400. Hein? Encore une fois, seigneur, j'ai tout plein de pièces, loupi, c'est le fun. Deux fois des 1500, waouh. C'est vraiment fou, j'ai obtenu tout ça comme. J'ai obtenu ça comme cash. Et dedans, c'est beaucoup ça. Youhou. Mais deux fois les 1000 de suite, deux fois de suite, j'ai eu des 1000. Là, ah! Là, après ça. 4 fois! 4 fois l'ennemi! En 20 tirs de tuyau! Eh ben écoute non! C'est fou! Bon ben ça sera tout pour le moment. On se reverra plus tard pour la suite des événements.